Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Le Mondial du Rhum s'est déroulé du 13 au 15 février 2024 à Paris. L'Observatoire des communes de l'Agence française de développement, AFD, a rendu public un rapport sur la situation financière des communes de Martinique. Une pétition pour que la maternité et le bloc opératoire de l'hôpital de Trinité continuent de fonctionner a recueilli plusieurs milliers de signatures. Dans votre avis compte, vous répondez à cette question cette semaine. Faut-il raccourcir les grandes vacances scolaires? Le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Février 1974 ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la vasectomie est un moyen de contraception masculin. Il s'agit d'une intervention chirurgicale qui fait qu'il n'y ait plus de spermatozoïdes dans le sperme. Mais cette opération est irréversible. La vasectomie ne modifie ni la production d'hormones, ni le volume de sperme éjaculé. Il n'y a aucun trouble de l'érection ou de l'éjaculation. La qualité de l'air aujourd'hui est moyenne. Raymond Marie est décédé. Il avait 95 ans. C'était un pionnier de la Yole Ronde, transporteur de profession. Il était avec Georges Brival, cofondateur du Tour de Martinique des Yole Ronde. Le petit garçon de 11 ans qui a été touché par une balle le dimanche gras vers 15h alors qu'il jouait devant sa résidence à Ravine-Bouillé n'a été que très légèrement blessé. Il a rejoint son domicile après avoir été soigné à la maison de la femme, de la mère et de l'enfant. Les témoins ont dit entendre deux coups de feu, mais ils n'ont vu personne d'autre que la victime, probablement victime d'une balle perdue. À la cité Tolomant, située sur la route des religieuses à Fort-de-France, une jeune femme de 22 ans a été tuée par son petit ami avec une arme à feu le mercredi des cendres. Il était 1h du matin et elle se trouvait dans un appartement où elle vivait avec une amie. C'est un événement inédit. Le Mondial du Rhum s'est déroulé du 13 au 15 février 2024 à Paris. Avec près de 540 000 tonnes consommées chaque année à travers le monde, 17 litres par seconde, le rhum figure parmi les spiritueux les plus appréciés. Grâce au Dom-Tom, dont la production a augmenté de 13% entre 2019 et 2021, la France est le cinquième pays exportateur de rhum dans le monde. Le pays produit près de 55 millions de litres par an et on assiste aujourd'hui à l'émergence de producteurs, d'assembleurs et d'éleveurs répartis sur tout l'Hexagone, y compris en Corse. Le Mondial du Rhum a donc pour objectif de rendre hommage à la culture rhum, mais aussi d'instaurer des partenariats durables et de bâtir collégialement l'avenir de l'écosystème rhum. Pour sa première édition, il est accueilli du 13 au 15 février 2024 par le prestigieux palais Brongniart, faisant de Paris la capitale mondiale du rhum. Ce n'est pas par hasard si 600 élèves des écoles maternelles et primaires de la ville de Schœlcher avaient choisi pour thème cette année les Jeux olympiques. La flamme olympique va passer dans leur ville lorsqu'elle viendra en Martinique. On notera que les élèves des écoles primaires de Ducos ont eux aussi défilé sur le thème des Jeux olympiques. Depuis toujours, Serge Letchimy affirme son intention de nous restituer à notre environnement géographique. La Martinique étant membre associé de l'Autorité de l'Organisation des États de la Caraïbe, l'OECO, le président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a participé à une réunion avec tous les autres pays membres de cette organisation
Antigua et Barbuda, Montserrat, la Dominique, Grenade, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, membres de plein droit, et Anguilla, les îles Vierges britanniques, la Guadeloupe et la Martinique, membres associés. Serge Letchimy a redit sa volonté de voir la Martinique admise comme membre à part entière tant de l'OECO que de la CARICOM, car, dit-il, elle est avant tout un pays caraïbéen. C'est en présence du préfet de région et de sa présidente, la sénatrice Catherine Conconne, que l'association Allez Virer a inauguré à la Batelière son nouveau local. On a noté l'absence, disons officielle, de la collectivité territoriale de Martinique. Elle porte un projet semblable à celui de cette association, faire revenir en Martinique les Martiniquais qui en sont partis. Ils sont nombreux, les Martiniquais qui choisissent la période de carnaval pour, loin du tumulte, se recueillir. C'est ce qui s'est passé pour la 12e fois au Hall des Sports du Lamentin, où s'est déroulé un séminaire d'entrée en carême. 2000 personnes environ y ont participé. Cette manifestation était organisée par l'association Air Bonheur, la conférence Saint-Vincent de Paul et la paroisse du Lamentin. L'évêché de Martinique dit l'intérêt qu'il porte au mariage. Depuis son installation, Mgr David Macaire tient à recevoir chaque année les couples en cheminement vers le sacrement du mariage. Il tient à ce que cet engagement soit éclairé et libéré de toutes les peurs, tout en chassant les mauvaises raisons de se marier ou de ne pas se marier. L'objectif est la construction de couples solides en vue de fonder des familles qui soient des berceaux de bénédiction pour notre île. Le week-end du 16 au 17 février, pour la 9e année, il accueillera à la ferme de Périne les couples de fiancés du diocèse à l'occasion de son week-end des fiancés organisé par l'Association des centres de préparation au mariage, auprès de laquelle environ 230 couples sont inscrits, soit près de 500 personnes. Le dimanche, cette rencontre se terminera par la célébration eucharistique programmée à 11h30, l'occasion de rendre grâce pour tout ce qui aura été reçu pendant ce riche week-end et de recevoir la grâce de vivre un bon temps de carême. Jusqu'à 2027, les petites entreprises de pêche de la Martinique pourront toucher une aide de l'État. Le gouvernement a prévu un montant de 500 000 euros par année. Il y a en Martinique 540 entreprises de pêche. Cela signifie que chacune d'elles sera aidée à raison d'un peu plus de 926 euros par année, soit environ 77 euros par mois. Il n'a pas été si facile que cela de décentraliser le carnaval, c'est-à-dire de l'organiser aussi dans les communes. Maintenant, cela est fait et cette année encore a montré le dynamisme du carnaval du Sud. En particulier, la parade du Lundi Gras à Sainte-Luce fut un des grands moments du carnaval 2024. L'Observatoire des communes de l'Agence française de développement, AFD, a rendu public un rapport sur la situation financière des communes de Martinique. Il en ressort qu'elles se portent en général mieux grâce à l'inflation. Celle-ci leur a permis en effet de percevoir davantage d'octroi de mer. Cet octroi de mer qui constitue environ 50% de leurs recettes. L'octroi de mer équivaut à un impôt de 627 euros par habitant, un niveau supérieur à celui des autres territoires des Outre-mer. En Guadeloupe, c'est 594 euros, en Guyane, 467 et à La Réunion, 442 euros. De tous les territoires des Outre-mer, c'est en Martinique que les dépenses de fonctionnement des communes sont les plus importantes, 1645 euros par habitant. Bien entendu, parmi les dépenses de fonctionnement, ce sont les frais du personnel qui pèsent le plus,
67%, ils atteignent même 75% dans certaines communes. Celles notamment dont les salariés, plus âgés, approchent de la retraite et perçoivent un revenu plus élevé qu'en début de carrière. Mais il faut parfois aussi recruter des jeunes particulièrement compétents, notamment dans le numérique, et il convient de bien les rémunérer. Pour cette catégorie de personnel, c'est aussi la Martinique qui, parmi tous les Outre-mer, dépense le plus. En conséquence, elle est également le seul territoire ultramarin à présenter une épargne négative. Chez nous, l'épargne des grandes communes a diminué de 14% et 4 communes moyennes ont une épargne négative. En ce qui concerne l'endettement, même s'il a légèrement diminué, il reste important comparé aux autres territoires ultramarins, sans pour autant représenter une somme colossale, puisque l'ensemble de nos communes doit 342 millions d'euros. Nos communes mettent cependant beaucoup de temps à rembourser leurs dettes, 16 ans en moyenne, alors que le délai idéal est de 9 ans. On notera que les 4 communes dont les situations financières sont les plus saines dans notre pays sont le Lamantin, Saint-Joseph, Rivière-Salée et Ducos. Au moment où l'on apprend que les touristes apprécient de plus en plus de pouvoir loger dans des maisons plutôt que dans les hôtels, il est intéressant d'observer qu'en Martinique, 34 800 logements sont vacants, dont 60% de maisons et 40% d'appartements. C'est un parc immobilier que ne possèdent pas les pays voisins qui sont nos concurrents. La ville du Robert, avec son groupe Charivari, a bien réussi le mariage du carnaval d'aujourd'hui avec celui d'il y a encore quelques années. C'est en effet le seul défilé, en tout cas que nous avons vu et dont on nous a parlé, qui disposait d'un char transportant des musiciens. C'est donc au son d'un orchestre qu'ont défilé les carnavaliers. C'est également ce groupe qui a animé le carnaval des enfants au Saint-Esprit. Le chef d'accusation à l'encontre de Sainte-Rose Caquin paraissait grave, complicité d'escroquerie et prise illégale d'intérêt. En réalité, ce qui était en cause, c'est la vente de 5 véhicules appartenant au SMTVD dont il était le président et à la ville du Makouba dont il est le maire. Ces ventes semblent litigieuses, mais le procès démontra que M. Caquin n'en a personnellement tiré aucun bénéfice, ce qui n'a pas empêché le procureur de la République de réclamer des peines très lourdes, 24 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le tribunal a été moins sévère. Il a condamné M. Caquin à 8 mois de prison avec sursis, 5 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité. M. Caquin a affirmé qu'il ferait appel, un appel risqué eu égard aux peines qu'avait réclamé le procureur. Accusé d'avoir mal géré la crise qui a secoué Mayotte ces derniers jours, l'île était complètement paralysé, le préfet a été remplacé. Les manifestations ont pris fin, les Mahorais ont obtenu du gouvernement une protection plus efficace contre les immigrés en provenance des Comores. C'était leur principale revendication. Et une pétition pour que la maternité et le bloc opératoire de l'hôpital de Trinité continuent de fonctionner a recueilli plusieurs milliers de signatures. Rappelons que le débat sur le maintien d'hôpitaux territoriaux a déjà eu lieu en France et la conclusion a été claire. Il vaut mieux être opéré dans des grands centres médicaux par des chirurgiens qui pratiquent de nombreuses interventions et qui donc ont à la fois de l'expérience et de la pratique plutôt que dans des hôpitaux où il y a forcément moins d'interventions et donc beaucoup moins d'expérience et de pratique. La pétition prend donc en compte les intérêts du personnel mais pas forcément ceux du patient. La chute des naissances s'accélère en Europe. Madrid, Rome ou Berlin multiplient les aides financières, mais leurs effets restent limités.
Toute l'Europe est actuellement confrontée à une situation démographique préoccupante. Les taux de fécondité sont actuellement en dessous du seuil de remplacement des générations. Il est fixé à 2,1 enfants par femme dans les pays développés. Le nombre de naissances a chuté depuis les années 1970. L'Italie et l'Espagne affichent des taux de fertilité particulièrement bas, respectivement 1,25 et 1,19 enfants par femme. Mais en réalité, la situation est dégradée partout dans l'Union européenne, où la moyenne est de 1,5 enfants par femme, selon l'Agence européenne de statistiques Eurostat. Et le déclin continuera de s'aggraver. D'ici à 2050, la part des plus de 65 ans devrait passer de 20% aujourd'hui à 30%, soit près d'une personne sur trois. En 2100, la population de l'UE comptera davantage de seniors de plus de 80 ans que de jeunes de moins de 20 ans. Au-delà du recul de la fécondité, l'allongement de la durée de vie alimente déjà de longue date le vieillissement de la population. D'ici 2050, dans à peine plus de 25 ans, il y aura moins de 2 adultes en âge de travailler pour une personne âgée dans l'UE. Le défi du financement de la protection sociale s'annonce bien sûr immense. Le vieillissement suppose toute une transformation de l'économie et de la société, l'adaptation des équipements et des infrastructures, l'organisation des études et des soins. Sur le vieux continent, les gouvernements s'efforcent de renverser cette lourde tendance démographique dans l'espoir de relancer la fécondité. Tous les pays d'Europe ont développé une politique familiale qui s'appuie sur les allocations, les congés parentaux après la naissance et les services de garde d'enfants. Des mesures qui restent insuffisantes, d'autant que les jeunes ont le taux d'emploi le plus faible d'Europe et vivent chez leurs parents jusqu'à au moins 30 ans. Tout en essayant de stimuler les naissances, les États sont contraints de gérer les effets du vieillissement. Chaque année, les entreprises européennes sont confrontées à des pénuries de main-d'œuvre. D'ici 2040, la population en âge de travailler devrait diminuer de 11,7% en Italie, de 4,9% en Allemagne et de 2,4% en France. Les économistes recommandent ainsi d'accélérer le recrutement des femmes, comme l'a fait Madrid, à partir des années 1990. Aujourd'hui, en Espagne, 70% des femmes occupent un emploi formel contre 55% seulement en Italie. Dans les pays nordiques, où le taux d'emploi des seniors et des femmes est élevé, les femmes ont davantage d'enfants que dans le sud de l'Europe. Cependant, les structures d'accueil des enfants en bas âge y sont plus développées et la conciliation entre le travail et la famille plus facile. Pour pallier le déficit des naissances et les pénuries de main-d'œuvre, de nombreux démographes mettent en avant la solution de l'immigration. L'Allemagne, par exemple, a choisi depuis longtemps de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Le pays, qui avait accueilli en 2015, lors de la crise syrienne, plus de 800 000 réfugiés, a adopté mi-janvier une loi qui assouplit les conditions d'obtention de la nationalité et étend les possibilités de double nationalité afin de réduire la pénurie de main-d'œuvre. De son côté, l'Europe de l'Est, l'une des premières régions du monde à avoir connu un déclin démographique soutenu au cours des dernières décennies, entre faible taux de natalité et immigration massive de sa population, a fini elle aussi par faire le choix de l'immigration. La commissaire européenne chargée de la démocratie et de la démographie a présenté en octobre une feuille de route pour gérer l'évolution démographique de l'Union européenne. Axée sur 4 piliers, celle-ci met en avant le soutien des parents et des personnes âgées, le développement des compétences de la jeunesse pour lui permettre d'accéder à l'emploi et à un logement, ainsi qu'une migration légale et surtout gérée. En définitive, les mesures ponctuelles comme les primes à la naissance ont un effet temporaire. Elles peuvent accélérer l'arrivée d'un enfant qui était de toute façon souhaité, mais ne changent que très peu le nombre total d'enfants. Nicolas Sarkozy s'est pourvu en cassation contre sa condamnation en appel à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois ferme dans l'affaire Big Malion. On lui reproche d'avoir dépensé des sommes plus importantes que celles autorisées par la loi lors de sa campagne présidentielle de 2012. Et vous avez, sans plus attendre, la parole. C'est l'heure de votre rubrique, votre avis compte. Vous répondez à cette question. Faut-il raccourcir les grandes vacances scolaires? Nous vous écoutons.
Faut-il raccourcir les vacances scolaires? Bon, c'est un vaste débat parce que raccourcir sur les vacances scolaires, ça veut dire qu'il faut leur donner plus de temps d'enseignement. Bon, moi, je miserais plutôt sur la qualité de l'enseignement plutôt que le temps passé, le temps de présence à l'école, quoi. Donc, c'est un vaste débat. Ça arrange plutôt le gouvernement, mais est-ce que c'est pour le bien véritable des enfants? Moi, c'est la qualité d'abord de l'enseignement plus que le temps d'enseignement passé au lycée ou à l'école, quoi. C'est ça, il y a un gros problème à ce niveau-là, à mon avis. Voilà. Ben, c'est compliqué comme question parce que pour les professeurs, je sais que c'est quand même un métier qui est très difficile. Ils ont quand même besoin de vacances. Et puis nous aussi, parents, on est habitués à avoir nos vacances de Pâques, de Noël. Donc je ne sais pas. Franchement, je ne saurais dire. Par contre, peut-être pour les grandes vacances scolaires, oui. Raccourcir, peut-être qu'on rentre la mi-août. Parce que c'est vrai qu'à un moment, les enfants s'ennuient. Il faut créer des activités, il faut payer. Nous, on n'a pas deux mois de vacances. Donc peut-être qu'éventuellement, oui, que ce sur les grandes vacances, le mois d'août qu'on rentre, pas début septembre, mais mi-août peut-être, éventuellement comme aux États-Unis. Aussi, hein, parce que les professeurs ont trop de vacances. Ils ont pas le temps de faire travailler les enfants convenablement. Il y a trop de problèmes vu que les enfants, je trouve que les enfants sont pas assez, on s'occupe pas assez des enfants scolarisés. Et les enfants ont trop de difficultés. Alors, il faudrait bien revoir ça, hein, que le ministre puisse revoir ça de l'éducation, parce que les professeurs sont trop en vacances et puis ils se promènent partout. On les retrouve tout partout dans les supermarchés au lieu de s'occuper des enfants. À revoir. Faut-il raccourcir les vacances scolaires? Je pense qu'il ne faut pas diminuer sur les vacances scolaires parce qu'il y a déjà beaucoup de travail à faire la journée à l'école. Donc, j'aurais préféré que le gouvernement pense à mieux répartir les heures de cours dans la journée pour les élèves. Et comme ça, bon, peut-être qu'en ayant une meilleure répartition des cours dans la journée, il faudrait prendre un jour ou deux sur les vacances, mais pas plus que ça. Voilà. Je trouve qu'il faut diminuer, c'est vrai, sur les vacances, trop de vacances. Je crois que c'est l'entreprise qui a beaucoup plus de vacances et que... Voilà, on a parlé des enseignants, c'est vrai. Mais c'est tout un grand monde, c'est très vaste, toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a aussi des inconvénients. Il y a les parents aussi qui exagèrent, hein, aussi. Hein. Il y a des fois un petit peu les enseignants, parce qu'ils sont très, très, très agressifs. Oui. Il y a des choses que je n'apprécie pas dans tout ça. Hein. Il faut que les parents soient un petit peu plus sages envers les enseignants. Oui, un peu partout. Oui, je trouve. Excuse-moi, mais je trouve ça. On doit être plus sage, parce que c'est eux qui enseignent nos enfants. Vous voyez, il faut être... Alors, faut-il raccourcir les grandes vacances scolaires? Merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché, qui s'intitule « Février 1974 ». Hier, le 14 février, il y avait 50 ans que les gendarmes avaient tendu un guet-apens aux ouvriers agricoles réalisant une grève marchande dans le nord de la Martinique. C'est-à-dire que des ouvriers agricoles en grève, accompagnés d'étudiants qualifiés de maoïstes à l'époque, allaient, d'habitation en habitation, exhorter les ouvriers agricoles qui n'étaient pas encore à se mettre en grève. Et, à Chalvet, entre Basse-Rouette et le Lorrain, ils ont été attaqués par des gendarmes embusqués à un des détours de la route, en même temps que par un hélicoptère qui les survolait. Il faut dire que, peu de temps avant, ces mêmes gendarmes s'étaient fait encercler dans une habitation d'où ils avaient eu du mal à s'enfuir. Oui, à s'enfuir. Ils s'étaient retrouvés en contrebas, entourés par des ouvriers agricoles qui leur lançaient toutes sortes de projectiles. Chalvet
C'était en quelque sorte leur revanche. Il y eut là un mort, Ilmani Serrier dit Rénor, un ouvrier agricole de 55 ans, et plusieurs blessés, dont des étudiants et des gendarmes. On allait découvrir un autre cadavre, le lendemain de cet affrontement, à l'embouchure d'une rivière, celui de Georges Placide Marie-Louise, 19 ans. Le corps donnait l'impression d'avoir été supplicié. Mais, malgré une autopsie pratiquée par un médecin légiste martiniquais, on ne saura jamais s'il avait effectivement été torturé ou si, projeté dans la rivière, il avait heurté des rochers après avoir dérivé. On sait cependant qu'il n'est pas mort noyé. Il a été tué et projeté dans la rivière. À cette occasion, il convient de rendre hommage au docteur Henri Pied qui, faisant à cette époque-là des photos pour le journal Le Naïf, a été le premier à photographier le corps de Marie-Louise et à le divulguer. Il est également, le docteur Pied, l'auteur de l'essentiel des photos qui ont circulé un peu partout en Martinique pendant les événements de février 1974. Le journal Le Naïf a d'ailleurs fait à l'époque un numéro spécial qu'il est possible de consulter à la bibliothèque Schellcher. Après le savoir y réfléchir de Roland Laboucher pour terminer ce journal, la rubrique santé. La radiothérapie, la chimiothérapie, la thérapie ciblée et l'hormonothérapie sont utilisées en complément de la chirurgie pour améliorer les chances de guérison du cancer. La radiothérapie consiste à exposer à des rayons la tumeur ou certains ganglions reliés au sein. La chimiothérapie et les thérapies ciblées utilisent des médicaments administrés par voie veineuse, le plus souvent qui agissent contre les cellules cancéreuses. Quant à l'hormonothérapie, elle a pour but de s'opposer à l'action des hormones féminines, les estrogènes susceptibles de stimuler la croissance des cellules cancéreuses. Tous ces traitements ne sont pas systématiquement utilisés, chaque cancer du sein est particulier et nécessite un traitement adapté en fonction de chaque situation. La radiothérapie est un traitement destiné à diminuer le risque de récidive locale du cancer. La radiothérapie est systématique après une tumorectomie, c'est-à-dire une chirurgie qui conserve le sein. En revanche, elle est discutée au cas par cas lorsque le sein a été retiré, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu mastectomie. Elle sera alors essentiellement indiquée en cas de tumeur de taille importante ou si celle-ci était localisée dans la partie interne du sein, ou encore si de nombreux ganglions de l'aisselle étaient envahis par des cellules cancéreuses. Grâce aux progrès techniques, les effets indésirables de la radiothérapie sont aujourd'hui limités et sans conséquences à long terme. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Sarah Verde, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laoucher et Roland Laoucher. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25 en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et également sur notre site kmttelevision.fr. Passez une agréable soirée. Je vous dis bien sûr à demain et que Dieu garde la Martinique.